Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvelle série d'ailleurs sur Terrascape. Donc non, nous ne sommes plus sur Terranil, nous sommes sur Terrascape. Ouais, j'ai fait original. Donc le développement, c'est les développeurs du jeu, donc c'est Bitfall Studios et ça a été édité donc par Toplitz Productions. C'est sorti sur Steam le 5 avril 2023. Il a actuellement des notes très positives, comme vous pouvez le voir en termes d'ambiance. On va être encore sur un jeu assez violent, hardcore comme Terranil, vous voyez. Fait de méchanceté, de cruauté, de violence. Et pour conclure, vous pouvez trouver ce jeu, alors sur Steam actuellement, je crois en promo pour sa sortie, etc. Mais le moins cher que je l'ai trouvé, donc c'est sur Instant Gaming à 8,60€. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose de lancer un mode solo. Alors, les défis casse-tête, avec des défis de plus en plus corsés sur des terres casse-tête. Jeu libre, remporte des médailles et bat ton propre record en fondant des royaumes sur des terres générées aléatoirement. On va aller regarder sa campagne. Donc c'est la pépinière. Certaines personnes ne voient que l'arbre qui cache la forêt. Nous espérons que tu n'en fais pas partie. Mets-toi à l'épreuve en trouvant les meilleurs sites pour le bûcheronnage. Ok. On va aller couper du bois. À l'ancienne. Avec des grosses machines. Bienvenue, ce tutoriel montre les bases nécessaires pour maîtriser Terrascape. Si tu sais déjà jouer à Terrascape, passe-le. Il est possible de l'activer à nouveau dans les paramètres. Et bah regardez, tutoriel, c'est parti. Se déplacer, vue d'ensemble, ZQSD. Oh, excusez-moi, les gens qui adorent m'embêter, décidément. Voilà, on sera plus embêtés. Pour pivoter la caméra, EA. Oh, c'est déjà bind de base, j'adore. D'habitude, c'est jamais ça. Les petits détails pour regarder, voilà. Dans le défi Terra, tu n'as droit qu'à un choix limité de construction. Place-les intelligemment, car c'est tout ce que tu auras sous la main. Compris. Ok. Une bonne influence. Ok. Avant de placer une construction, il est important de considérer sa gamme. D'accord. Et ses influences. Le score d'une construction peut être influencé par le biome de son emplacement, ainsi que les ressources de construction qui sont à sa portée. Ok, logique. Ici c'est logique. Donc là effectivement, si on est sur de la plaine, on prend 5 points. Sur de la pierre, 2 quand même, on prend pas de malus. Sur de la côte, moins 3. Ok. Ouais, parce que forcément le vent expose aux côtes, c'est marrant, ils ont pris ça en compte, c'est drôle. Et donc ça a tendance à accoucher les cultures. Rivière et lac, bien sûr, t'apporte 4 points. Ok, c'est cool. Par contre, le 1, je sais pas pourquoi 1. C'est parce que ça a un rayon de 1, j'en sais rien. Ok. Pour en apprendre plus sur les influences et la gamme d'une construction, fais passer la souris sur sa carte. Une bonne influence. Une fois la carte construction sélectionnée, tu vois un aperçu en direct de toutes les influences qui affecteront le score de la construction. Le chiffre au-dessus de la construction montre le nombre de points que tu recevras en plaçant la construction à tel ou tel endroit. Cherche une place de choix avant de continuer. Clique sur le bouton gauche pour placer la construction ou sur le bouton droit pour annuler l'aperçu. Entendu. La bûcheronnage. Donc c'est du 1, reçoit perd des points de forêt, plus 4, bûcheronnage, ok, faut pas juste mettre tes bûcherons les uns sur les autres. Mais ça veut dire que si je me mets genre là on se régale, on peut pas gratter un truc, non, genre là on se régale, on va pas pouvoir se régaler bien mieux, hein. J'annonce. Hein. Par là aussi on se régale? Ah ouais, on va se régaler par là, et il va falloir en poser quelques-uns, ok. Ok, on voit la courbe de progression en bas. Ok. Ah, on pouvait s'exploiter. En fait, on peut se partager les cases. C'est-à-dire, tant que j'ai pas le bûcheron sur lui-même, si je me partage les cases du bûcheron, c'est ok. Bon, c'est beau ça. Bah ouais, hein. Pas gêné. Hein. Voilà, succès déverrouillé, défi relevé, le numéro 1. Ok, visiblement.
visiblement on est des champions. Voilà, 144. Objectif atteint. Tu as gagné la médaille d'or, tu as atteint le score le plus élevé, continue de jouer pour battre ton record. Il y aurait un jeu 3 minutes 29. Bah oui. Ok, défi suivant. D'accord. Bon, c'est un peu dommage que ça apparaisse un peu trop sous forme de défi. Après, est-ce que c'est juste pour le tuto? On va pas commencer à râler, on a même pas commencé le jeu. J'ai envie de dire. Ok, bûcheron Siri. Donc Siri, il y a une histoire de... Je sais pas pourquoi 3 là-haut et pourquoi 2 ici, c'est pas grave. Ah, c'est le nombre de... Ah, c'est le nombre de cartes que j'ai. Je peux envoyer un... Je peux rien jouer. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Essaie de trouver le meilleur emplacement pour les Siri. Oui, je veux bien, gros. Laisse-moi jouer. Ah, merci. 24. Et donc le bonus des Siri, bonus malus. S'il y a une Siri à proximité, je prends moins 2. Ah oui, donc là c'est du 2. Donc vous voyez la taille de l'emplacement de la Siri. Bam. Ok, il y a beaucoup beaucoup plus de cases. D'accord, donc c'est bien... Il y a bien une sorte d'influence à prendre en compte. Je vais bourrer les... bourrer un peu. Et en fait l'idée c'est d'en placer une... Par là, mais je crée pas de la pénalité sur les autres en faisant sauter une forêt. Ça paraît bizarre. Ça paraît étrange, mais ok, let's go. Voilà. Bon bah défi suivant. Ouais, bon, c'était mignon. Des chaumières. Ok. J'ai 14 chaumières. Elles font du 1 sur 1. Reçoit perdre des points sur prairie. On gagne 2. Soit perdre des points sur résidence. Résidence, je suppose que c'est un niveau d'habitation plus élevé. Si on est à côté d'autres chaumières. Ouais, il n'y a que des bonus. Ok, les chaumières, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est genre. Créer un méga quartier poulet. Ok. C'est complètement neutre là. Bah, on va bombarder hein, parce que en vrai, plus je vous colle les uns aux autres, plus vous êtes contents. Donc, ah, il y a un petit 16 là-haut. Ils sont, ah, ils sont royal au bar. Ils sont royal au bar là-haut. Ah, je peux les mettre à la place d'un caillou ici. Rigolo. Donc ça fait un petit village un peu nul, mais ça booste les autres. C'est rigolo drôle. 18, ouais, carrément. Je sais pas, on doit atteindre combien? Ah oui, 220, ouais, let's go. Let's go, t'es 220. Let's go. Ce sera 10 partout. Allez, village en intérieur. On est bon. Ah non, il m'en manque un. Ah si, on est bon, ok. C'est juste qu'il m'a pas affiché le dernier. La médaille d'argent. Pourquoi? Ah, j'ai pas atteint les 220, attendez. Donc je me suis bien arrêté à 218. J'ai pas atteint les 220. Le jeu est déjà taquin dans son tuto. Hein. très bien. Allons chercher donc le meilleur spot. Ici, c'est 20. A mon avis, il va falloir se mettre sur toutes les bêtes. Hein. Parce que c'est elles qui nous font perdre du bonus. Ok. Donc j'ai du 18. 18. Coup de 18, moi je prends. 18, je prends. 16, c'est pas mal aussi, on peut prendre. 12, à voir. 14, un peu léger. 14 un peu léger. Ça a l'air d'être parti pour être du 14.
Ah, ça va être du 14. C'est parti. On a fait les 220, on a la médaille d'or. Défi suivant. Sur ce défi-là, ils étaient taquins. Hein. Ok. Donc, nouvelle carte qui est apparue. Donc, les bûcherons, on connaît. Les vergers, pareil, ça sera 1-2 zones. Reçoit perd des points, donc j'aurai des malus sur la côte et je prends sur les prairies la roche. Je prends un petit point sur la roche, ok. Et je prends également des points sur forêt, rivière, lac, bûcheronnage et verger. On va prendre. Hein. On va prendre. Du 20, c'est joli. Du 24, c'est esthétique. Ah, j'aurais peut-être dû laisser. Bon, de toute façon, là, les emplacements, ils se voient gros comme des montagnes, comme une montagne, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, ce sera du 21 partout, hein, visiblement. Ah non, je peux gratter un 25 ici, joli. Oh, un 27. Oh, c'est esthétique, 27. Hein. 27, mon canard, ça me parle. Hein. Ça reste 25 ici. Mais j'ai plus le droit de le construire. Ah si. Oh, let's go. On va pas se gêner. Hein. Du 21. Ah ouais, 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 on peut se faire. Ah oui, on peut se faire. Ah oui, c'est ultra combotage parce que. Ok. Ouais, c'est ultra combo en fait. J'y ai pas pensé, mais oui, c'est ultra combo. Ok, je réessaie. En fait, c'est ultra combo parce que. On les met vraiment. Le verger en fait, vu que ce sont des arbres, ça donne un bonus au bûcheron. 24, il n'y a pas d'exemple où toi il y a mieux que 24 de toute façon. Toi il n'y aura pas mieux que 24. Ok. Toi d'entrée de jeu, 21, 21, 27. 27 c'est intéressant de te poser tout de suite. Hein. 27 j'aurais pas mieux. Ah c'est 2 27 là? Non c'est une blague. Est-ce qu'il y a une importance dans l'ordre dans laquelle je vais vous poser en fait? C'est une vraie question. 21, 25, 27 encore ici. 18, 25. 13, 15, non, 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 non. Et un 21 au centre qui se dessine joliment. Qui a l'air de vouloir exprimer des choses. On va poser les deux 24. Il me reste un 20 et un 24. Je vais poser le 24 ici aussi. 21. 21. 30 là-haut. Waouh, joli. Car la zone a l'air riche au possible. 19. On a 19 qui se cache par là quand même. 21. Ouais, 2 21 ici, un 21 là. On va poser ce 21 là. On l'a pas. À 2 points près, c'est terrible. Allez, à 2 points près. À 2 points près, on se les déniche les 2 points. Faut que je vois avec mes bûcherons. S'il n'y a pas mieux que 24. Bon, en vrai, il n'y aura jamais mieux que 24, hein, je pense. Là, on est sur du 16, du 20. Les bûcherons, il n'y aura pas mieux que 24. Vous, on est sur du 21, 22. Tant que j'ai pas posé les bûcherons, j'ai pas de boost, on va dire, au bonus. Donc, un bûcheron, deux bûcherons, trois bûcherons, quatre bûcherons, et puis de bûcherons. À partir de là, voilà. À partir de là, on peut aller gratter des trucs. Là on a 1,30, clairement si on le pose pas, il est écrit qu'on est débile. 19, ça pourrait être acceptable mais c'est beaucoup trop bas. 21, 21, 18. C'est
C'est dans la position de mes bûcherons que je me suis mis dedans, c'est ça. C'est qu'en fait, j'aurais dû mettre peut-être un autre bûcheron par là. Parce que là, il m'en reste deux. Et ça va être deux... Allez, 1 à 21 pour te faire plaisir. Mais l'autre aussi sera au mieux, voilà. L'autre sera au mieux à 21. Et j'aurai pas mieux et j'ai perdu. Et j'ai encore moins bien fait qu'avant. Donc ça joue dans la position des bûcherons. Ça veut dire qu'il y a un bûcheron qu'il faudrait peut-être que je mette plutôt à droite. Genre en fait, peut-être plus comme ça. En fait ici je me dis que je pourrais gratter du bonus. Ah même attendez. Est-ce que j'ai placé mes bûcherons là? Mais c'est peut-être plus intéressant que je les mette par là. Genre paquet sur le centre un peu. Et vu que j'ai des grosses stats là-haut, je vais quand même mettre un bûcheron là. Qu'est-ce que ça donne? 27. 27, et il y a un esthétisme qui se dégage. Vous avez l'air de comboter entre vous. Oui, c'est ça, vous combotez comme des sauts. En fait, il faudrait que je mette tous mes vergers là. 24. C'est pas possible. 24, c'est pas mal aussi. Hein. 24, pour l'instant, c'est cool. Hein. 27. Peut-être ce bûcheron qu'il faudrait pas mettre là. Hein. 25. Ça passe pas. On l'a pas. Malheureusement, nous ne l'aurons pas. Ouais, parce que là, on fera pas mieux que 21. Donc, allez, 21. On l'a pas. D'accord. Je l'ai. Je l'ai. En fait, faut vraiment exploiter la rivière et avoir les bûcherons juste en dessous. Non, c'est bien de voir. Je perds un peu de temps sur ce truc-là, mais ça permet aussi de voir l'optimisation qu'on peut en faire. Donc là, en fait, typiquement, il faut que je garde voilà tout ça pour mes vergers. Poser. Poser celui à 27, c'est ça. J'ai un 24. J'ai un 24. Donc là, la seule chose que je vais pouvoir poser en gros, c'est 24 et 24. Même pas, ça va être 21, parce que là, toi, je peux plus rien les gratter. Rien à tirer, hein. Ouais, 13, 19, 21. Ouais, ça, après, c'est du 21 forcé. C'est forcément du 21, donc ça serait 21 et 24. Là, à un point près. Des bateaux de pêche. Alors, la condition du bateau de pêche. Des gros points si on est sur l'eau, des gros points s'il y a des rivières et des poissons. En fait, il n'y a que des malus s'il y a du bateau de pêche, quoi. Ok. Et l'objectif, c'est d'en sortir du 285. 28. 37. Hein. On va essayer de sortir. 28, on est bien aussi, je pense. 32 par là. Très très joli. 33 par ici. Oh. On fait quand même des jolies propositions. 34. Il y a un 42 là. Il se balade. Hein. Oh là là, le 40. Ouais, c'est tombé à 27 du coup à cause de mon placement. Je pense 34 ça va chercher. Hein. Y a pas de... je regarde même pas où j'en suis en termes de budge. Je suis en train de tout claquer comme un gros débile parce que ça rentre et que ça fait des beaux scores. Enfin je sais pas combien on a de pauses encore possibles.
22, 28. Ouais, 28, ça me paraît bien encore. Hein. 24, 24. Oh, 24, 24, ça se pose. Hein. Alors, on n'est pas allé voir les mini-cases. Parce qu'il y a peut-être des cases incroyables, genre celle-là à 39, par exemple, qui me paraît bien incroyable. Ah, j'ai fait 346 sur 200. Oui, on est bon. J'ai bien gratté, visiblement. Bien... Ah, ça y est, ça commence les vrais termes. Les donjons ne reçoivent pas de bonus de placement, mais ils en donnent aux constructions du village comme les chaumières. Comme les chaumières. Ne manque pas ce donjon. Ils ont fait une blague là? Ils sont sérieux sur leur blague? Ils ont vraiment osé? Ils ont osé. Cette blague. Ils ont osé José Bové quoi. Grosse blague, hein. Elle était incroyable, moi j'approuve. Je vais poser comme un gros débit. Hein. Ah, mais en fait j'ai pas besoin de... Si. Oh là, ma souris qui fait des siennes, vous le savez ça. Oui, j'ai pas besoin de resélectionner mon truc, je l'ai à chaque fois. Médaille d'argent. Arrêtez de tout poser comme un gros sac, le jeu a dit. D'accord. Je suis loin? Ah, pas grand chose, hein. Juste éviter de poser des trucs comme un gros sac. D'accord. Je ne vous garantis rien. Je vais également replacer le donjon plus par là. Parce que je pense qu'en fait, on peut vraiment construire tout autour. Genre là, 20, 20 c'est du plaisir. Hein. 22, oh. 18, c'est joli. Hein. Enfin, 14, 14, ouais. On n'a pas un petit up sympa, genre là, ok, on a des 14, 12, 16, 16, 16, 16, c'est pas trop mal encore. 14, 14, 10, 14, 14, ouais, après on va être sur du 14. Ah, j'ai un petit village dans la montagne à 16, là. Allez. Ils sont passés à 14. Ça fusionne entre eux pour donner un turbo truc. Du coup, ça donne plus de bonus aux gars qui sont environnants ou. On sait pas. On saura jamais. Et du coup, ça c'est quoi? Je peux savoir? Ça a l'air d'être une résidence, ça a l'air d'être le turbo truc du dessus. Un médaille d'argent encore. Aïe 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 aïe. Comment je vais me chercher la médaille médaille d'or. Je vais encore déplacer le guingeon, le donjon. Je pense que le placement du guingeon joue beaucoup en réalité. Je pense que par exemple plus par là peut-être. J'ai formé un gros truc pour voir si ça allait me donner des gros bonus. Ah ouais. Ouais, là ça commence à servir des gros bonus. Vous fusionnez pas entre vous? Ta-ta-ta-ta-ta. Je pense qu'il y a 200. Médaille hein. D'argent, on a 250 sur 260. Ok. Il y a quand même une idée dans le fait de placer les villages pour aller chercher un bonus. Je regardais à quel point c'est intéressant. Est-ce que le souci c'est que les cottages à l'ouest là, ceux de la rivière, les petites chaumières de la rivière, elles sont très très intéressantes comme elles sont. Donc
Je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'aller les embêter plus. C'est un placement un peu plus hasardeux. C'est parti, on prend des risques. Ça m'a donné un bonus de 16. Donc oui, c'est intéressant, hein. Je crois qu'il y a une sombre histoire de là-bas, on peut aller chercher des gros trucs aussi. Non, on peut plus. Je sais pas comment j'avais obtenu mes gros trucs. 16, est-ce que j'ai pas mieux que du 16? Non, alors 16, 18. À part si je veux les fusionner, mais je sais même pas si ça va être possible. Il me reste 4. Et avec le dernier, il faudrait que j'arrive à faire beaucoup de points. Que je vais pas pouvoir faire. Je peux te dévenir toi? Parce que je vais essayer de dans ces cas de te récupérer plus par là. Non, on l'a pas. On l'a pas parce que ça m'a pas rendu le bâtiment. Le cottage à côté de l'eau là, c'est méga deal. Voilà, ils prennent des bonus, c'est dinguerie quoi. Après, c'est de ce côté-là qu'il faut construire. Et à mon avis, il faut aller chercher un truc comme ça. Je sais pas, ça m'a donné plus combien, je vais pas regarder. Il me reste plus que deux bâtisses. Ah, ouais, non, ça le fait pas. Ah, c'est moche. Ah si, 260, j'ai un médaille d'or. Wow. On l'aura gratté, hein. Défi suivant. Allons voir, allons voir. Allons voir ce que ça raconte. La chasse est ouverte. Des chasseurs. Gros bonus en présence de gibier. Gros bonus, hein. Ah oui, grosse portée aussi. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, sur le placement, va falloir jouer sur le placement, là. 44. Je le prends, parce que je peux en caler un au milieu. 66. C'est pas mal. Il y a un esthétisme. Il me dit que je peux pas me poser, là. Ok. 52, pourquoi 52? Ah oui, parce que les forêts, les machins. 72, je peux avoir, ok. 64. 72, je vois les gibiers. Okay. Je l'ai annulé. Alors que jamais de la vie. 60. Aussi, ça me paraît très bien. Et eh ben, c'est pas suffisant. Je pense que celui que j'ai posé, il y en a quelques autres. En fait, j'ai pas pu exploiter la zone en haut à gauche. Résultat, c'est mal placé. Alors, je pense que on va pas discuter pendant 107 ans. Celui qui a 66 là, ah, c'est toi qui as 66. Hein? Deux fois 66? Ah, 66 une fois, 66 deux fois? Attends, c'est une blague. Je crois que j'avais même réussi à te poser à. A plus, pourquoi 66, 66 là? Ok, je vais te poser plus au sud. Ça c'est là que tu me généras le moins potentiellement. D'accord, 48, 62. 32, 32, 62. 62 c'est joli, on prend. 72. Alors là, moi ça me parle, hein. 72... Ça me parle bien.
60, je crois que je peux avoir un peu plus que 60 ici, non? 46, 56, 54, 60. Voilà. Bah, ils sont pas tendres hein, sur les médailles d'or. Ça commence à faire beaucoup de défis pour un Tito, c'est un petit peu dommage. Bon, ça fait un peu long. Des pêcheries et des vergers. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de... Ok, c'est juste qu'ils aiment pas la côte, mais... ah bah oui, il faut poser une pêcherie sur la côte. Incroyable. 38 si j'efface ça. 38, on va voir ce que ça peut proposer d'autre ailleurs. Hein. 34, 54. Alors lui, si je le pose, c'est le boss. Hein. Je pense qu'on va le poser. Hein. C'est le boss. C'est le boss officiel. 34, on va le mettre aussi. 38, on avait... c'était pas mal. 36, 36, c'est joli aussi. 32. 38. 50. The boss. Et du coup, je suis pas allé voir là-haut. Et bah c'est dommage parce que je me suis peut-être pourri tout seul. Les vergers. Les vergers, les vergers. Normalement vous avez bien... Non, cette zone là... 30. Ouais, 30, 30 c'est beaucoup. Hein. 30, un verger, c'est un verger heureux. Hein. 21, la base. J'ai envie de dire, la base en pleine forêt. Ouais ouais ouais. Ben on va vous coller les uns aux autres. Hein. Le classico. 27, 25. Est-ce que vous adorez être collés les uns aux autres. 27. 18 non. Par contre 21 oui. Bah, il nous manque quelques points parce que bon bah les pêcheries encore une fois il y a un côté que j'ai pas exploité et qui mériterait peut-être que je m'y intéresse, il y a peut-être 10 points à aller chercher sans trop de problèmes. Parce que je pense que les vergers là où je les ai posés, on va pas se mentir, je pense que c'est là qu'il faut les mettre. 50 c'est à rentrer, 54 t'es le boss. 26 à voir peut-être. 30, 42. 42, ça commence à être joli. Hein. 36, on a dit que c'était pas mal aussi. 36, c'est très probable. 36, c'est très probable. Voilà, mais c'est là-bas que je suis pas allé voir. 26. 18, 18. Il y a un peu rien à se mettre sous la dent ici, non. Ah, 24. Hein. On peut quand même essayer de bricoler un truc. Mais ça vaudra pas 32 et 36. Hein. Bon bah c'était 36 finalement. Et les vergers rebelotent hein. Ça va être la même hein, je pense. Bon, on a déverrouillé une médaille. 24, 21. 24 si on est à côté de la pêcherie. Mais gardons les groupirs. On l'a pas. On est à 315 sur 340. On ne l'aura pas. Enfin, on est à 315. On sera un peu plus, excusez-moi. Hein, il me reste mon dernier verger à poser. Mais... dernier verger, 21. Il n'y a rien à tirer là-haut. Hein. Il n'y a pas de... il n'y a pas de bon bonus, en fait, à tirer de là. J'ai un 24. Mais en fait, après, les coller l'un à l'autre là-haut pour un malheureux 24, alors que je les ai ici, quoi. Donc, ça sera 24 par là. Il me manque un point. Alors, je m'excuserai, mais là, un point, ça rend fou. Hein. Ça, je deviens fou. Hein. Je deviens fou. Parce que un point, là, c'est potentiellement la façon dont je les pose. L'ordre dans lequel je les pose, qui crée du malus. Donc, j'ai presque envie de commencer par les vergers. Voir si il n'y a pas 24, normalement c'est imbloquable. Il n'y a pas de pêcherie qui peut rentrer là-dedans.
26, 28, 30. Ah. Ah. On peut rentrer des trucs là-dedans. 42. 54, 48, 50. Ouais, y a pas 150. Y a pas 150 spots à un moment donné, les gars. Alors, vous m'arrangez pas trop, hein. Parce qu'à partir d'ici. Ouais, 10, y a rien quoi. Y a rien à se mettre sous la dent. Ou alors il y a une case d'eau que j'ai pas vue en loose là. 36. Si, y a pas le choix. 1, 2, 3, 4 pêcheries, ouais. Bah, j'ai mis mes meilleurs gardes de la pêche là. Hein. Je suis douillé, hein. Je suis douillé à moins qu'il fallait poser tous les vergers avant les pêcheries. Genre, et ce que j'ai pas fait encore une fois. C'est exactement ça. En fait, si j'avais posé ce verger avant la pêcherie, j'aurais pas eu de. Je pense j'aurais eu le bonus de case sur laquelle est posée la pêcherie. Alors que la pêcherie, quand je la pose, me génère pas de malus. Genre, en fait, si je la pose là. Ah non, ça faisait 24 quand même. Ok, on va essayer comme ça. On va se la faire comme ça. 27. Et puis bah 24, hein, on se fait la ligne. Hein. 42. Il n'y a pas 150 spots quoi. Obligé d'exploiter comme ça, lui tant pis il part à moins 1 mais j'ai pas trop le choix. 24 là c'est nul, 32 c'est pas mal, 36 c'est mieux quoi. Fin de l'histoire, il me manque encore un point. Ah je sais pas où est-ce que je l'ai pas celui-là, mais il me manque un point. C'est une bonne question, mais on va pas s'endormir dessus, on va aller voir le défi suivant. Une petite place. Ok. Ça donne masse bonus. Alors ça prend du bonus s'il y a des résidents et d'autres places à proximité. Ok. Rivière et chaumière. Idéalement, il faudrait que j'en mette une ici. Mais c'est mieux que je mette des chaumières d'abord. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais spots, mais là, si, le jeu a l'air de me dire qu'il n'y a quand même pas de bonnes idées à certains endroits. 12, mais 12, il faudrait pas que je le. Ah, si. Si, si. J'ai rien dit. Regardez. Je fais une résidence. Into une place. Je pourrais même me permettre, je pense, de faire ça, ici. Je pose comme un sac, hein. Je le réfléchis pas. Réfléchir, c'est le mal. Eh bien, il me reste deux places. On va pouvoir casser des briques. Hein. 20. Ah, c'est pas mal. Hein. Et ben 16. On l'a. Voilà. Donc, quoi, des fois, faut juste pas réfléchir. Hein. Quoi, des fois, pas utiliser neurones est la solution. Hein. Bon, on a un peu tout placé là, quand même. On peut vraiment jouer ou pas? Oh
le tuto qui est si long. Dépêcherie. Alors, dépêcherie du feu de dieu à 43. C'est pas mal. À 43, il y a quand même des gros arguments. À 43, je pense qu'il y a de très gros arguments. Je pense que t'as des arguments que tu trouveras pas ailleurs. Il y a une jolie côte là à exploiter. C'est dommage, c'est pas prenable. Tac, 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 tac. Oh, j'ai vu un petit vin par là, ok, à noter, à noter. Ça a pas l'air d'être la dinguerie pour le reste. 18, 23. Ah, j'ai un 23 qui traîne. Il me reste deux pêcheries à poser. J'avais vu, voilà, c'est ça, un 35. Et puis, bah, on va prendre un autre 35, hein. Ouais, j'ai posé toutes mes pêcheries. Les petits bateaux de la pêche. Un 33. Ah, c'est un sacré bonus, les pêcheries. Ah. 27. Là, il y a 33. Il y a 33. Je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a 30. Il y a re 30. Il y a 31. 26. 33. 33. On a re 1, 30. On a 35. Eh bien, 26. Je comprends pas, il y a des points, j'arrive pas à boucler à un point près, et là je lui mets une mitre. D'accord, bon bah si tu veux. Il est long le tuto ou c'est moi? Ça commence à être long. Siribuche, rodagine tout verger. D'accord. Si vous y tenez. Des 12, des 20. Il y a du 20. Je pense pas qu'on obtiendra mieux que 20. Into verger. Ah oui, 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 bien sûr. Complètement, complètement. Du côté de la rivière, bien sûr. Bien sûr. J'entends vos arguments. Into. Ouh là, la Syrie à 40 là. C'est bon ça. Deuxième Syrie à 40. C'est bon ça. Par contre, je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire 50 Syrie à 260 hein, à un moment donné là. Ah, c'est ça, la 21. 26 pour celle-ci. Ah, alors on a une petite à 26 là. Je la prends. Moins 21. Ouais, bah, c'est dans le sillage de l'une de l'autre. Hein, donc à un moment donné, c'est sûr que... J'avais celle-là à 21 aussi. Il n'y a pas une petite escroque ici, la 37, voilà. Voilà. La petite escroquerie, la scierie de la plage. Ah, on a un nouvel objet qui est le hangar à bateau. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Bonus en présence de scierie, bateau de pêche. Ok. Ok, mais pas affecté par le bûcheron. Affecté évidemment par les hangars à bateau. Et ben on va commencer par placer nos bûcherons, je pense. Hein ? On va être sérieux. Alors on va caler des petits bûcherons là où ça a l'air de vouloir se caler. 39, 41, 42, 43. Donc, intéressant. 39. Oui, mais alors la question c'est est-ce que voilà, est-ce que en fait j'aurais pas mieux fait de poser mes scieries directement sur voilà, un petit bord de plage. Comme ça j'ai un petit 47 ici là. Et je me suis un peu fusillé pour le reste. Mais 28, 26, 24, enfin machin. 28. Oui, 26 c'est pas mal. 26 on peut prendre. 24, 26, 30, carrément, 20, 25, bon j'ai un peu tout posé comme un gros sac, hein, mais bon, 34 on prend, hein. Voilà, vous êtes un bon gros sac, merci, suivant.
Ah, j'ai envie de dire enfin cette nouvelle mécanique qu'on nous a expliquée au début. Ça n'aime pas la côte. Ok. Mais je suppose que le moulin à vent aime bien la côte. Champ de céréales, forêt, moulin à vent. Ouf, gros malus. Gros malus. Ah, ça va être un peu sport à poser cette histoire, non? Par contre, on en a des tonnes. Hein. On en a des tonnes. Ok, ah ouais, c'est du bonbon ramasse-miettes. Ok, 5. C'est un peu moche. 10? En 10 là, genre? À 17 là? Ah, vas-y. Hein. 20? Oh, allez. Oh, allez, ça régale. Moulin à vent. Il est joli. On va pas se mentir. Il est plutôt beau ce moulin à vent. Il est bien, t'as vu. Ah voilà, défi suivant. Ah, on a fait des beaux bonus avec la côte pourtant. C'est rigolo. Excusez-moi. La carrière. S'il y a une autre carrière, moins 40. Roche, montagne. Donc là on est sur du 35, 45 ici. Ah oui, on a deux montagnes. Régale-toi. 55. 55. On va chercher un autre 35 qui serait pas mal ici. 55. Eh ben, ça met bien. Hein. Ah oui, parce que j'ai d'autres. Il y a des. Ok, il y a des mines aussi. Y a une histoire de mines. De bonnes mines. Zéro, il n'y a rien à prendre. 55 ici. Ah, il y a à prendre. Par là, ok. 35 et tout, 35 et tout, 35. 35 là, 35 là, 35 là. 45 ici. J'ai obtenu une médaille. Ouais, la dernière, par contre. 35? Oh bah, 35. Hein. Ah bah, j'ai tout pile tour. Défi suivant. En tout cas, il y a quand même pas mal de cartes. C'est quand même intéressant. Donjon, place et touche-mire. Ouh là ouh. Ouh là ouh. Zéro. Bah oui. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais me mettre là. Une petite place à 10 ici. Let's go, c'est parti. Très ou rien quoi. Moi ça. Il me reste plus qu'une chaumière. Ouais, 14. Ah, c'est chaud, plus grand chose à prendre. 14 et 14. Jugé. C'est une médaille d'argent. Rangez mieux votre merdier pour obtenir un plus gros bonus. On peut se le réessayer.
On peut se le réessayer, faut voir comment je place. Je pense que c'est le placement du donjon qui va tout faire. Et je pense que le caler tout en bas. Voilà, ça sera pas déconnant. Là, ici, il faut que je cale une place. Si je peux pas mettre de place, il va falloir que je fasse résidence, résidence, résidence. Une tour résidence. Par contre, entre les deux, je peux refaire un pack de 4. 1, 2, 3, 4. Là. Ok. 18, on prend. Pas bon. On n'est pas bon parce que j'ai en fait j'ai une résidence qui n'est pas faite. Donc forcément, vu que j'ai une résidence qui est pas faite, il va inévitablement me manquer. Oh, 20 ici. Oh. Bah 20 ici. En fait, il va me manquer ouais 16 points faciles. On se la retente. On se la retente. Positionnement du donjon, il joue pas mal en fait. Hein. J'ai presque envie de dire que le donjon il m'embête. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Into. Place à 20. 20. 20. Donc là au milieu, faut que je fasse 1, 2, 3, 4. Elles sont pourries mes places là. Elles sont nulles. 18, 14. On met une ici. Quoi? Vision fait quelque chose. Allez, du coup, ça c'est mort. Putain. Je me suis encore douillé. C'est-à-dire que là, je peux pas faire une place de 4. Il fallait que je la fasse sur la plage ou je ne sais où, mais là, c'était pas possible. Ah, putain. Je me suis encore avoir. Je me suis encore fait avoir. Est-ce qu'on fait un meilleur score? Je suis même pas sûr. À 416, on refait le même score. Médiocre. Nous sommes médiocres. C'est terrible. Et si j'inversais la position du donjon, je le mettais en haut. Ou alors je le retente au milieu. Avec. Ouais, une structure froide comme ça. Genre vraiment, le mec est vraiment en train de construire. Bien froidement son truc. Into place. Into place. Ah, ici, il faut pas que je mette de place. Ok. 14, 14. Pour l'instant, on va pas le mettre. 2. C'est encore pire, je crois. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, si, en fait, ça aurait été peut-être. J'aurais peut-être pu avoir tous les bonus si justement j'avais collé le donjon un peu plus au nord encore. Enfin, une case vers le nord. C'est pas grave, défi suivante. On a le bronze. C'est moche, c'est pas beau. C'est pas beau ce qu'on a fait, c'est pas bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer à la suite, quoi. C'est de passer aux vraies cartes. Parce que là, le tuto est très très long. Résidence, place, chaumière. Ok.
On va faire des beaux placements. Celui-là, il a pas fusionné, ok. Et c'est pour ça qu'il nous donne des boulettes démolition, c'est parce que le... vous loupez sur un truc, visiblement, vous ramassez quoi. Vous êtes bloqué. Genre bien bloqué quoi. Une, deux. Ah oui, d'accord. Donc là, forcément, j'étais contraint et forcé d'avoir moins de résidence que tout le reste. Waouh! C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il offre, ce qu'il propose, ce qu'il nous raconte. 36, 36 c'est pas mal aussi, hein. On discute. Hein. 27. Ouais, 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 27. Hein. Il n'y aura pas beaucoup mieux. Hein. Place au centre, into une autre place. Marchand négatif, marché à 27. Into un autre marché à 27. Place à 18. Into une place à 18. J'ai pas beaucoup mieux, hein. On a l'argent. J'ai pas envie de me prendre la tête. Roulons. Je veux voir la fin de ce tuto. Enfin, je suis en train de dire j'aimerais voir la fin de ce tuto, mais j'ai l'impression que... j'ai l'impression que c'est tout le jeu qui est comme ça, en fait. À voir. 12, 13, 13... ouais... On va continuer comme ça, hein. Bah... Ok, j'ai 3 moulins à mettre là-dedans. 16, c'est nul. 22, ouais, parce qu'il y a des forts à proximité. Potentiellement, j'aurais un très gros bonus si j'étais au milieu de tout ça. Bah ok, je me suis fait avoir. En gros, l'idée, c'est je me suis fait avoir. Parce que j'aurais... quoi, moins 1 même par là? Sérieux? 5 points, c'est si moche. 6, 10. Oh là 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 là. Ouais, ouais, bah il aime pas les cases de côte. Hein. Donc, ouais. Bah 10, c'est raté. On va se le réessayer parce que je pense qu'il faut aller justement les. Faut perdre un peu sur les bonus des. Des champs.
Mais avec les champs, faut aller raser ça. Faut aller raser ce machin. On s'en fiche, couvre. Tapis en fait. Bon, là, on s'en cogne des bonus, juste tapis. Voilà. Tapis, voilà. Superbe. Tac tac. Ouais, vas-y, tapis. Voilà. On essaie des vraies techniques de bourrin. Voilà. Les vraies techniques de bourrin. J'ai pas plus bourrin. 37, 37. Ok. 7. 48. J'aurais pu faire mieux. Parce que je les ai posés avant même de regarder si je pouvais poser mieux. Mais c'est pas grave. Menu principal. Ça y est, ce serait la fin du tuto. Mais... J'ai cassé le jeu. J'ai cassé le jeu. À plus tard YouTube. Visiblement, j'ai cassé un jeu. À plus tard. C'était Tarfonk sur comme d'habitude gaming pour Terrascape.